Accrochés au téléphone ou munis d'un ordinateur portable, ces étudiants de l'Université Joseph Kizerbo suivent des cours en ligne grâce à la magie de Internet. Se connecter à Internet et de façon gratuite est désormais possible ici. En un clic, ces apprenants peuvent accéder à la bibliothèque, participer à des cours et même aller chercher l'information là où elle se trouve. Et ce, grâce au projet d'interconnexion des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Des Wi-Fi sont installés dans les salles et à l'extérieur. L'objectif est de fournir Internet à près de 200 000 étudiants. La connexion, c'est une très bonne initiative. Avec ça, on arrive à se connecter en temps réel et ça permet également aux étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter des mégas, de faire des recherches, quoi. D'avoir plus d'informations, de mieux comprendre le cours, d'approfondir mes connaissances en fait. Outil d'intégration, elle permet aux unités de formation et de recherche d'interagir. Pour se connecter, il faut être inscrit à l'université ou figurer dans la base de données enregistrée. La disponibilité de cette ressource va également faciliter la programmation des enseignants, la résorption des retards et améliorer la qualité de la formation selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Pour résorber ces retards, c'est vraiment la connexion. Pourquoi? Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons, depuis la programmation des enseignements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité pour chaque chef de département de programmer son emploi du temps et de permettre à tous les autres acteurs, à travers une plateforme qui a été mise en place, qu'on appelle la plateforme intégrée de Campus Faso, de suivre le déroulement de ces enseignements-là et de tirer naturellement les conséquences s'il y a lieu. Si quelqu'un se trouve, par exemple, à l'université Joseph Kizerbo et il a besoin de certaines informations à l'université Norbert Zongo, il n'est pas souvent rare de voir envoyer une mission dans cette université. Mais à travers cette interconnexion, à partir d'un clic à l'université Joseph Kizerbo, on peut avoir toutes les données qui se trouvent à l'université Norbert Zongo et partout ailleurs. L'architecture du réseau interconnecté prend en compte 174 bâtiments. Le projet a coûté plus de 4 milliards de francs CFA et bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé. Actuellement, le Wi-Fi que nous avons est effectivement gratuit. Nous avons une capacité de 4 gigabits qui est mise à la disposition des institutions d'enseignement supérieur. Nous devons travailler à ce que non seulement pouvoir poursuivre, pérenniser cette capacité, mais l'accroître en tenant compte des effectifs qui vont devenir de plus en plus croissants parce que le besoin va devenir de plus en plus croissant. Toutes les universités et les centres de recherche du Burkina Faso disposent d'une connexion Internet à haut débit, à l'exception de l'université de Ouaigouya, où un conflit foncier oppose les premiers responsables du Temple du Savoir aux populations.